Composition également du FC San Pedro avec Aboké Pacom et Niaka. Kélané Abraham. Alpha Sidibé. Constant Wayou. Constant. Il doit frapper, Wayou. Et voilà. Offensivement, voilà, sur un ballon. Il est entre la défense et le milieu, son contrôle est bon, il s'oriente bien, il sauve la voie du but et après il déclenche. Constant. Le centre, c'est dommage. C'était bien vu. C'était bien vu, mais. Ils assiègent là la défense de l'Antoine Sportif. Tu dois figuer ses buts. Le FC San Pedro. Voilà, tu vois, il est tout seul. Hein. Là déjà, il se loupe son dégagement, le défenseur. Et c'est là Jenny, il est tout seul, il n'est pas marqué, il n'y a pas de pressing, il décide de frapper, il surprend le gardien, cette frappe elle est subite, il y a des joueurs devant, le gardien ne voit pas le départ du ballon, c'est là qu'il se fait avoir, hein. Voilà, vous voyez cette récupération, il n'y a personne, il est tout seul, il a le temps d'arrêter, il lève la tête, il voit le gardien, qui est lui, il a deux joueurs devant lui, donc il est un peu surpris, malheureusement il se fait avoir, c'est bien dommage, voilà, vous voyez, là, il y a celui-là, et il y a Zouzou Pacom aussi qui est devant lui, et il se fait surprendre cette frappe. Cloche. On va assurer Zegueï et Taï Abraham qui ne sont plus souverains dans la surface de réparation. Oui, ils ont été secoués, Perforé par trois fois. Joli ballon vers Cheikh. Ah, ça passe. Vous voyez un peu ce ballon venir dans la profondeur. Il va tenter Cheikh Amidou. Il avance ce ballon. Il y avait. Non, 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 non. On connaît la CC. Boyou. On va revenir dans la moitié des camps du FC San Pedro. Taï Guilaner. Wayou Constant. Ah, c'est un très très bon ballon dans la profondeur. Pour Cheikh Amadou. Cheikh. Voilà, elle est plus dangereuse offensivement, cette équipe de San Pedro. Wayou Constant. Constant Wayou qui attend du soutien. Voilà, l'arrivée de son coéquipier l'a aidé à conserver le ballon. Ouais, il garde bien le ballon. Une, deux, Alpha, bien joué. Oh là, il a passé à côté. Là, nous, on l'a envoyé totalement au fond, mais là, Sidibé Alpha, lui, l'a vu. On ne dira jamais assez. Hein. C'est, on va dire, le dribble le plus facile, le plus efficace à l'approche d'une surface de réparation. Vous ouvrez le but. Malheureusement, il croise trop son pied parce qu'il cherche le petit filet. Malheureusement pour San Pedro. Hein. Ok, merci. Mais là, ce n'est pas encore sur une évidence. Hein. Ouais, c'est plutôt Adama. C'est Kone Adama qu'on voit le plus. Ben oui. Le ballon récupéré par les Pétrusiens, c'était CDB Alpha. Wayou est revenu sur lui. On joue dans la profondeur pour Cheikh Amadou. Cheikh a des problèmes de contrôle. Boris et Jenny va plus vite que Boris déjà. Oui. Ça c'est un signe, ça veut dire que dans les prochaines minutes, tu verras que Jenny va encore beaucoup plus. C'est San Pedro avec Abdramane Konaté. Abdramane Konaté, ils ont du mal à avancer, c'est le joueur du FC San Pedro. Souleymane Hassan. On va revenir à cette fois-ci, ça avance un tout petit peu avec Alpha. Donc le balai somme disait de noter l'arbitre ce soir. Le match n'a pas fini, franchement. L'arbitre là carrément 3 sur 20. Alpha Sidibé. C'est-à-dire, je le répète, sur deux faits de jeu, Miesan Alou s'est fait louper. Il se loupe. Parce que là, sur ce coup, il y avait pénalty. Béranger à coup. Oh là là. Oui. Alors, je peux vous dire, cette équipe vient d'encaisser son 36e but. Ouais. C'est pas pour rien qu'elle est en bas du classement. Elle est dans le bas du classement. Crucial pour les deux équipes. Hein. Comme je l'ai dit auparavant, le FC San Pedro doit forcément gagner pour pouvoir maintenir la pression. À Gagnoua pour la deuxième place parce que la première elle sera compliquée et puis en bas à Korogo encore la possibilité de se sauver si. Résumer un peu les 45 premiers minutes mon cher Roméo Koulibaly, on a vu deux équipes aux deux styles différents en face de cette équipe de FC San Pedro taillée.
alors que le FC San Pedro a toujours sa marge de manœuvre et prépare encore deux autres joueurs à l'entrée. Voilà. Il peut faire entrer le Pedro, c'est une satisfaction, on le voit percuter comme Eric l'a dit. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui bosse. Attention à cette action avec Béranger. Béranger dans la surface de réparation face à Souscalens. Cette fois-ci, c'est qui en face, hein, c'est le troisième du championnat. Et ça s'appelle le FC San Pedro, c'est pas n'importe quelle machine quand même. Dans la profondeur pour Jenny Nianzo Ugruf, l'ancien joueur. Très mauvais ballon pour un attaquant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est désordonné ça, hein. Lisa Sandra, ça va pas. Et attention. Il y a l'avantage. Attention. L'avantage. Ouais, là, il doit maintenant. C'était à l'ouverture du score de la part de cette équipe, mais en face, on a une très belle résistance de la FAD qui fait mieux que résister. Boloubi. Boloubi qui perd le ballon face à Alpha Sidibé. Aboké. Alpha. Constant Wayou qui demande de poser le ballon. Alpha. Ce sera pas facile pour Béranger. Ce sera un véritable duel entre Béranger, Gauthier, Dibi. Et le défenseur du Lissa Sandra. Habib Cyril. Habib Cyril, capitaine. Le capitaine. On connaît la détermination. La défense du FC San Pedro, hein, c'est joué avec Alpha Stéphane Sidibé. Devant, on va chercher Jean-Ariel. Qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Jean-Ariel, peut-être le centre maintenant. Kariba. Alpha. Encore les Pétrussiens qui contrôlent ce ballon. À bientôt le premier quart d'heure de jeu. Le score n'a pas changé. 0 à 0. Alpha Stéphane Sidibé. Hassan Souleyman, Sidibé, Souleyman, Constédé. Et sur le banc de FC San Pedro, on peut pousser un ouf de soulagement après l'euphorie du début du match, hein, sur la pénalty et le coup franc. Oui, effectivement. Il va aussi vite. Voilà, qui est souvent Royaux. Utilisé dans cette équipe de FC San Pedro. Sidibé, Alpha, Jenny, Kariba, on revient sur Sidibé. Lui aussi formé à l'académie du FC San Pedro. Carlos, quel calme! Super duel! Super joué! Mais encore un ballon perdu! Il nous manque deux facettes! Il nous manque la bonne! Grand défenseur, il récupère le ballon. Après, la mauvaise, la relance interdit! Interdit de relancer dans l'axe comme ça! Interdit! Et là, interdit. Il déclenche sa frappe, le joueur de San Pedro s'est contré, ça fait corner. Voilà, deux facettes! Tout à l'heure, je parlais de lui et il me donne raison, ce garçon, Mustapha Konaté, c'est lui, intelligemment, qui va à la récupération sans faire de faute. Un gros pressing, il récupère le ballon. Il trouvait son ADN de début de match, voilà. Garder le ballon, fait circuler. Colomba Dikoro, là, ils sont deux, ça va être difficile. Le 1-2. Et bien essayé aussi, pourquoi pas, voilà. C'est, on le dira jamais, c'est l'un des, pour ne pas dire, le dribble le plus efficace à l'approche de la surface de réparation. Taka et Messi l'utilisait énormément en 1-2. Allez, ça passe tout de suite. Voilà, tac, tac, et tout de suite, vous vous retrouvez en... ...de provoquer Chérif Soumaïla. Le centre de Franck Amos, dégagé de la tête par Badjo. C'est lui. C'est les Anna Amido. Il faut jouer tout de suite. Voilà. Ils sont très vifs en termes de... 14 points. Attention, attention. Ils vont rejoindre le COK, les hommes du Poro. Ouais, qui ont été battus hier. Béranger Dibi. Les centraux de Sansedra ne sont pas forcément mis en cause hein, dans ce but de Béranger. C'est un compte, on va dire, défavorable pour eux. Et puis voilà, Béranger, un bon buteur, il était à la réception. Pour faire un togol sous le coup. Hein. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe-là. Il faudra qu'ils restent un peu plus serein. D'ailleurs, le ballon ne passera pas. Abdramane Konaté, Jenny. Vous voyez comment ils s'arrachent les joueurs de FC San Pedro. Ils sont à 2 à 3. Jenny, Kwasi, le centre. La sortie derrière de Tola. Il n'arrive pas à reprendre le ballon.
En tout cas, pour le moment, sur les coups de pied arrêtés, nous sommes vraiment gâtés. Hein. Nous avons vraiment de très très beaux...